Suprême Automobile s'emploie à importer des Piaggio autotriporteurs réputés pour leur confort et leur efficacité économique aux conducteurs. En plus de cette cagnotte, Suprême Automobile importe des motos Sanya qui ont l'avantage d'offrir à la population congolaise des produits robustes, économiques, de haute qualité pour le transport local. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages réitérés les plus déférents. Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, avec l'assurance de nos profonds respects, distingués invités en vos titres et qualités. Suprême Automobile, ambitieuse dans sa vision de développement dans le secteur du transport, affirme qu'avec la combinaison de tous ces produits mis sur le marché, couple avec des services après-vente, la disponibilité des pièces de rechange, des mécaniciens formés par des experts, contrats d'entretien annuels, contrats de maintenance complets, des services fiables grâce aux dernières technologies. Suprême Automobile et Mercedes-Benz promettent de faciliter la vie des transports en commun pour la population de la RDC grâce à sa toute première usine d'assemblage Mercedes-Benz en RDC. Je vous remercie. Dès à présent, je vais demander à la régie de nous balancer la vidéo du lancement ainsi que de la présentation de Suprême Automobile. Voilà, donc on va nous mettre sur l'écran, justement, je crois, une vidéo du montage de l'entreprise, si je crois bien entendre ce qui va être mis sur l'écran. Ce sera certainement l'ensemble d'activités. Ah, donc voilà. Excusez-nous pour ce petit désagrément. Équipe technique, s'il vous plaît. En attendant que le son de la vidéo vous parvienne, on comprend bien donc que c'est la qualité, la spécificité du véhicule qui est produit ici sur place à Kinshasa. Ce bus Mercedes est donc présenté en animatique informatique pour montrer la qualité certainement, la puissance des moteurs, la fluidité des pièces mises ensemble pour produire cette puissance, un véhicule adapté aux routes et aux conditions tropicales de la République démocratique du Congo qui va devoir affronter beaucoup d'intempéries mais aussi les routes difficiles comme nous avons vu sur certaines images, les véhicules Transco, les véhicules Transco qui quittaient Kisangani pour le Bas-Uélé ou le Haut-Uélé sur la route des Nyanya dans les conditions très difficiles, mais ces bus parvenaient quand même à passer et arriver à leur destination. C'est dire que le fonctionnement du moteur est bien présenté là-bas. On aurait bien voulu avoir le son pour expliquer ces différentes images qui défilent sur vos écrans. La vidéo est balancée au bénéfice du président de la République qui devait donc être mise au parfum de tout ce qui s'est passé, tout ce qui est dans l'usine. Justine Luamba, directrice adjointe vente et marketing du groupe AG, à venir présenter le produit Mercedes-Benz. Voilà, donc le protocole va reprendre la parole certainement. Giscard Koussema, il y a eu quelques couacs techniques. Dans tous les cas, l'occasion nous sera donnée hein, lorsque le président de la République va faire le tour des propriétaires d'obtenir des explications sur cette chaîne
de montage de véhicules ici même à Limité. Et ce sera justement l'ingénieur Jérémy, le manager Jérémy Aguito, c'est lui le patron de cette usine, c'est lui qui a été avec d'autres suivre cette formation spécialisée pour garantir et maintenir la qualité de cette gamme prestigieuse de Mercedes-Benz. Donc c'est ce bien cela que nous verrons pour l'instant. Ce sont donc des bus, il faut le préciser, ne venez pas chercher des voitures Mercedes ici. Pour l'instant, ce sont des bus qui seront produits localement. Ce sont des intertechniques. Il faudrait donc... En ce moment, je crois que c'est un autre discours que nous allons entendre. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'assurance de nos hommages le plus déférents. Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, avec l'expression de nos profonds respects. Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, bonjour. Encore une fois, bienvenue chez nous à Supreme Automobiles, Mercedes-Benz. En effet, Supreme Automobiles et Mercedes-Benz se sont donné le défi de révolutionner l'industrie automobile en République démocratique du Congo dans le secteur du transport en commun. On reprend ? D'accord. En effet, Supreme Automobiles... Voilà donc quelques impertechniques qui se poursuivent, mais je crois que ça va s'arranger d'un moment à l'autre. Le son et tout ça, les ingénieurs sont en train de s'affairer pour résoudre le problème. Je crois que d'un moment à l'autre, ça sera le problème va être résolu. Bon, comprenez donc que la pression est assez forte. Ces jeunes ingénieurs qui traversent sur la question, peut-être la pression est trop forte pour eux, mais en tout cas, tout pourra s'arranger d'un moment à l'autre. Mesdames et messieurs, en tout cas, la radio-télévision nationale congolaise n'éprouve aucun problème pour vous retransmettre en direct la cérémonie. L'organisation trouve quelques difficultés, ça se comprend bien entendu, les questions techniques il faudrait bien être professionnel. Je crois que ceux qui sont sur place sont autant professionnels que nous le pensons, mais les soucis techniques peuvent arriver à tout moment et dans n'importe quelle circonstance. Ils s'y mettent et je crois que ça va pouvoir résoudre le problème.
sur la panne et je crois que maintenant nous pouvons suivre les déroulés de la cérémonie sans beaucoup de difficultés. On va reprendre, je crois, à zéro parce que le directeur, le formé allemand, reprend la parole. Il s'agit bien de Jérémy. Excellence, Monsieur le Président, la technique a ses caprices, la nouvelle technologie. Dès à présent, je vais inviter Madame Jocelyne Luamba, directrice adjointe vente et marketing du groupe AG pour présenter Mercedes. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'assurance de nos hommages le plus déférent. Excellence, Mesdames et Messieurs, le membre du gouvernement, avec l'expression de nos profonds respects. Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, rebonjour. Bienvenue encore une fois chez Supreme Automobiles, Mercedes. En effet, Supreme Automobiles et Mercedes-Benz se sont donné le défi de révolutionner l'industrie automobile en République démocratique du Congo dans le secteur du transport en commun. Mais avant toute chose, permettez-moi d'abord de vous présenter nos deux leaders et visionnaires. En premier lieu, nous avons notre président fondateur et visionnaire, M. Harish Djaktani. Avec plus de trois décennies dans le continent africain, plus précisément en RDC, Harish Djaktani est un philanthrope, un visionnaire, un leader qui croit en l'encouragement, l'amélioration et la responsabilisation de son équipe. M. Djaktani est un produit du travail acharné, de la persistance et de la persévérance. Un combo qui fait de nous aujourd'hui une marque déposée en République démocratique du Congo. Avec des sociétés comme Cerver, Modern Construction, HG Hospital, HG Pharma, Seven Seas Tours and Travels, tous ces exemples de réussite dans leurs domaines respectifs font de M. Harish Djaktani un modèle de succès. Et nous avons aussi notre vice-président et cofondateur, M. Sachin Guidjuani. M. Sachin est un homme d'affaires axé sur le succès, un chef d'orchestre doté d'une perspicacité hors pair qui, grâce à une équipe solide, continue de maintenir ce navire à flot. Avec plus de trois décennies d'expérience en République démocratique du Congo, M. Sachin est l'épine dorsale de cette entreprise depuis le premier jour. Grâce à son raisonnement logique, son sens aigu des affaires, sa pensée analytique, il a contribué et continue de jouer un rôle majeur dans le succès du groupe d'entreprise AG. Voilà pour nos deux leaders et visionnaires. Mais, à présent, revenons à pourquoi nous sommes tous réunis ici aujourd'hui. Pour ce faire, nous avons commencé par répertorier les besoins de l'heure dans la population de la République démocratique du Congo dans le secteur de transport public. Et nous les avons subdivisés en six catégories. La population de la République démocratique du Congo a besoin d'un mode de transport rentable. Des problèmes d'embouteillage dus à des pannes soudaines des vieux véhicules ont besoin d'être traités. Nous avons besoin de gagner plus de temps en se déplaçant et la sécurité de nos proches ne devrait pas être compromise. Nous avons besoin d'un environnement sans pollution pour une vie plus saine et se déplacer sans tracas dans nos villes. Et pour répondre à ces besoins, nous avons ici, pour vous, la solution. Nous sommes Supreme Automobiles Mercedes-Benz. La population de la RDC avait des besoins et Supreme Automobile et Mercedes-Benz ont répondu présent. Notre apport pour la population de la RDC sont
un mode de transport confortable et sécurisé, des pièces de rechange disponibles en République démocratique du Congo, un environnement sans pollution, des meilleurs services après-vente, l'assurance de déplacement paisible et sans tracas, le meilleur rapport qualité-prix, enfin et surtout, la création d'emplois pour plus de 500 personnes résidant en RDC. Nos propositions de vente qui nous rendent uniques sont nous avons des machines et équipements à la fine pointe de la technologie. Tout notre personnel a été formé par des entreprises internationales. Notre cabine de peinture ainsi que notre test d'étanchéité sont à la pointe de la technologie. Nous offrons une disponibilité de pièces de rechange à des prix imbattables et abordables. Nous offrons aussi des options AMC et CMC disponibles. Sous prime automobile et ici, et assemble localement de bus Mercedes-Benz à la norme, au confort et au luxe et au rapport qualité-prix imbattable. Pourquoi et comment sommes-nous les meilleurs? Nos bus viennent avec une garantie de plus de 12 mois. Notre capacité moteur est de 6400 cc, avec une puissance maximum de 230 chevaux. Notre boîte de vitesse est de marque Mercedes-Benz G85. La capacité de réservoir de carburant est de 380 litres. À présent, permettez-moi de vous présenter les différents variantes de bus Mercedes-Benz que nous allons produire ici même à Supreme Automobile. Nous avons le modèle 917 et le modèle 1723. Tous capables de fournir de transport du personnel et de transport public. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'assurance de nos hommages le plus déférent réitéré, Excellences, Monsieur et Mesdames membres du gouvernement, avec l'expression de nos profonds respects, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, voilà, nous y sommes. Supreme Automobile vous présente l'usine d'assemblage de carrosserie de bus Mercedes-Benz en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Dès à présent, je vais demander à l'équipe technique de pouvoir faire la projection de la vidéo du lancement de Supreme Automobile. Merci. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Voici les artisans du changement, les créateurs d'une révolution et les précurseurs d'une transformation à l'échelle nationale. Supreme Automobile.
Et voici pourquoi. Il ne fait aucun doute que la RDC connaît de grands changements pour le mieux. Le pays est sur la voie de la croissance grâce à la bonne gouvernance et à de nombreux autres facteurs. Les créateurs de Suprême Automobile ont pensé qu'ils pouvaient apporter leur contribution au pays dans le domaine des transports publics. Bienvenue au lancement officiel de Suprême Automobile, un concessionnaire et distributeur Mercedes-Benz attitré. La marque automobile de luxe Mercedes-Benz a transformé les autobus d'un mode de transport inférieur à la moyenne en un moyen de transport performant, sûr et respectueux de l'environnement. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, Suprême Automobile a lancé un atelier de carrosserie d'autobus sur place en RDC pour les autobus Mercedes-Benz. Nos installations entièrement équipées et à la pointe de la technologie sont uniques en leur genre et permettent d'assembler les autobus ici même en RDC. Mais comment Suprême Automobile peut-elle aider le pays ? Tout cela sous un même nom signifie que la RDC disposera de ses propres autobus Mercedes-Benz. Nous serons en mesure d'offrir des solutions hautement économiques et technologiquement avancées avec des autobus de luxe de la marque emblématique pour mieux gérer les conditions de route, de circulation et de sécurité. Actuellement, la qualité des véhicules sur les routes peut être améliorée. Le nombre d'accidents est élevé et les pannes régulières provoquent des embouteillages. Les automobiles de mauvaise qualité ont un impact sur l'environnement en raison des émissions polluantes et de la consommation accrue de carburant. La RDC peut faire mieux. La RDC mérite mieux. Et nous sommes là pour nous en assurer. Suprême Automobile introduit également des transports locaux, des ambulances et des camionnettes de livraison de la célèbre marque Force Motors, promettant des normes élevées de confort et de sécurité qui aideront les gens incommensurablement. Nous importons des auto-rickshaws Piaggio connus pour leur durabilité, leur confort et leur efficacité. De plus, Suprême Automobile importe également des motos Sanya. Ces deux roues robustes sont une solution rentable et nécessitent peu d'entretien. Les autobus Mercedes-Benz ainsi que tous les autres produits aideront non seulement énormément le transport local, mais permettront également à Suprême Automobile de créer des opportunités d'emploi pour plus de 500 Congolais. En outre, ces véhicules haut de gamme. À présent, nous invitons Monsieur le ministre de l'Industrie à bien vouloir prendre la parole. Avec ce plan d'industrialisation de la République démocratique du Congo qui concerne plusieurs secteurs, et il est bien normal qu'il intervienne en ce moment pour expliquer le contexte qui doit procéder certainement de cette vision globale du président de la République pour le développement de la RDC. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, permettez-moi de commencer par dire que ça fait 30 ans, Excellence. Et c'est donc normal que les instruments aient pris de la rouille. Je voudrais que nous puissions encourager les techniciens qui n'ont pas attendu 30 ans pour rétablir l'instrumentation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre ici représenté, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement et très chers collègues, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Madame et Messieurs les bourgmestres des communes,
Monsieur le directeur général du groupe HJ, Monsieur Claudio Sidman, CEO de Mercedes-Benz, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, à son accession à la magistrature suprême, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici présent, a engagé la République démocratique du Congo dans une série de réformes visant la refondation de l'État congolais. Parmi ces réformes, il y a la requalification des politiques publiques du secteur productif et porteur de croissance. C'est ici le lieu pour moi de réitérer mes hommages mérités à votre Excellence pour avoir identifié le secteur de l'industrie comme l'un des moteurs de développement et de la croissance inclusive et résiliente de la République démocratique du Congo. La cérémonie de ce jour, consistant à l'inauguration d'une usine de montage d'une gamme d'automobiles, s'inscrit donc dans la droite ligne de votre vision, celle de restituer à la République démocratique du Congo ses lettres de noblesse. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, nous avons encore vive à l'esprit l'ampleur des dégâts matériels que les différents événements malheureux et tragiques des années 90 ont causé à travers les pays, spécialement dans le secteur de l'industrie. Le pillage des biens et des unités de production a plongé les pays, surtout la capitale Kinshasa, dans la désindustrialisation. Nombreuses usines qui fonctionnaient ont dû fermer leurs portes et la plupart ont été délocalisées en dehors du pays. Les statistiques ont renseigné qu'il n'a resté près que 525 industries lorsque vous avez accédé à la magistrature suprême, contre plus de 9600 unités industrielles à l'indépendance. Soucieux de matérialiser la vision dirigée par la refondation avec une économie émergente à travers les plans directeurs d'industrialisation adoptés en Conseil des ministres en juillet 2021. Ces plans, comme vous l'avez rappelé dans votre premier discours sur l'état de la nation le 13 décembre 2019, répartit la République démocratique du Congo en 6 espaces industriels, chacun d'eux ayant une orientation industrielle suivant les profils économiques. Excellences, Monsieur le Président de la République, afin de redonner à titre illustratif à la commune de Limété sa vraie identité des zones industrielles, que sous-attend le nominatif Limété industriel, et ce, en dehors de la politique des zones économiques spéciales, qui vous est très cher, vous avez engagé le pays, la République démocratique du Congo, sur plusieurs chantiers, dont celui de l'automobile. Par votre diplomatie économique, vous rendez de plus en plus notre pays attractif, notre pays fréquentable, et donc notre pays comme désormais une meilleure destination, et c'est en croire les baromètres sur le climat des affaires que vous avez animé il y a quelque temps. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, point n'est besoin de rappeler à la bienveillante attention de l'auguste assistance que la République démocratique du Congo a une expérience dans ce secteur de l'automobile, avec à l'époque toutes les sociétés automobiles, notamment Iveco,
agence zaïroise de distribution automobile, ASDA, industrie nationale zaïroise d'automobile, Leyland Inzal, General Motors, Renault, Cyclore, dans les montages des vélos, et tant d'autres mains qui, presque toutes, ont cessé leurs activités en République démocratique du Congo ou se sont délocalisées ailleurs. Aujourd'hui, Excellence, 30 ans après, sous votre leadership transformationnel, notre joie est immense, celle de voir ce secteur qui est l'un des fleurons de l'industrie congolaise, enfin relancé au regard de ce qu'il va apporter à l'économie nationale, car l'objectif que vise le gouvernement de la République est de limiter sensiblement les importations par la production locale et ainsi ramener des devises au pays. La facture d'importation, comme vous n'avez cessé de le dire, pèse lourdement sur l'économie nationale. C'est là que le plan directeur d'industrialisation propose, sous votre leadership, un nouveau modèle économique basé sur la transformation locale par opposition à l'ancien modèle économique tourné vers l'extérieur et favorisant la fuite des capitaux. Ainsi, ayant saisi la mesure des enjeux et des défis, le gouvernement tient fermement à capter les différents marchés tant intérieurs qu'extérieurs pour récupérer les devises en faveur de notre pays et ainsi accélérer son émergence. Ceci passe par la vente, comme vous l'avez si bien suivi à travers la vidéo, des bus et autres types de véhicules de la Société Suprême Automobile qui compte mettre à la disposition des consommateurs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, des produits désormais « made in Congo ». C'est ici enfin pour moi l'occasion de saluer et d'encourager le groupe HJ qui, à travers les activités de son usine, va créer beaucoup d'emplois avec l'assemblage des véhicules ici à Kinshasa, des marques Mercedes-Benz, la fourniture des pièces de rechange et beaucoup d'autres gammes telles que cela vient d'être dit tout à l'heure. Ainsi, avec mon collègue de transport, nous nous proposons donc de pouvoir renouveler les parcs automobiles de Kinshasa et de l'ensemble du pays pour lui donner une nouvelle robe et ainsi chasser définitivement les esprits des morts qui circulent à travers les artères de la République. Toutes ces activités s'inscrivent dans la politique de nos deux ministères qui consiste à appuyer l'industrie locale avec le label Made in Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme vous n'avez cessé de le dire, je voudrais partager ce que vous dites régulièrement en reprenant la phrase de Gustave Le Bon, je cite, les volontés les plus fortes s'expriment par les actions. Je vous remercie. Nous invitons Monsieur le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Honorable Président de l'Assemblée nationale,
honorable président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, ici représenté par le VPM intérieur, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le Manager du groupe HIJ, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités, tout protocole observé. À l'entame de mon propos, il me paraît plus indiqué de rendre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, mes hommages les plus déférents, non pas en guise de formule protocolaire, mais pour célébrer sa vision dans le secteur des transports en République démocratique du Congo. Je tiens aussi à vous remercier tout distingué, chacun en considérant son rang, pour la promptitude avec laquelle vous avez tenu à honorer la République en acceptant de rehausser de votre présence la manifestation de ces jours consacrée essentiellement au lancement par la plus haute autorité du pays de l'usine de montage de bus Benz en République démocratique du Congo. Sauf également à moi l'occasion de saluer le leadership de son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge dans sa détermination à matérialiser sans désemparer la politique gouvernementale globale par des actions sectorielles concrètes. De même, faille-t-il exprimer toute ma gratitude aux différentes autorités ici présentes ou représentées qui n'aménagent aucun effort pour accompagner chacun dans son secteur la vision claire du chef de l'État. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, la journée d'aujourd'hui rentre dans les annales indélébiles de l'histoire de notre pays, car sans nul doute, vous écrivez en lettres d'or un chapitre clé dans l'histoire de tant de l'industrie que des transports en République démocratique du Congo, prenant en compte surtout les caractères essentiels du déplacement de la population, notamment par bus dans notre pays en général et dans la ville-province de Kinshasa en particulier. Dans le credo de votre autorité incarnée par le peuple d'abord, qui paraît comme un identifiant de votre action politique, vous avez clairement instruit mon ministère dans le sous-secteur routier de changer de paradigme par le déploiement des bus transco à travers les provinces. À cette instruction, il fallait associer la politique canalisatrice devant permettre sa pérennité, ce qui revient à exiger la disponibilité permanente des bus, chose désormais garantie. Il est certes vrai que la Société Suprême Automobile n'a pas vocation à ne monter les bus que pour l'établissement public Transco, mais il faut relever déjà a priori que ces derniers en est déjà un des principaux bénéficiaires. Excellences, Monsieur le Président de la République, il vous souviendra qu'à l'avènement de votre haute autorité à la magistrature suprême, mon ministère a conclu avec Serv-R du groupe HIJ un contrat de commande de 230 bus en faveur de Transco qui devrait être monté localement à Kinshasa en accordant, bien entendu, un certain nombre de facilités à cette société. Dans la phase pré-expérimentale, Excellences, Monsieur le Président, quelques bus de Transco sont déjà montés. Dans ce même registre, dans les tout prochains jours, la Société Suprême Automobile s'employera à renouveler les charrois automobiles de tous les vieux bus et taxibus existants en République démocratique du Congo. Je l'ai déjà dit, mais je me permets d'insister. Suprême Automobile est ouverte à toutes les commandes, locales, nationales et étrangères, mais Transco en tirera de grands avantages. Pour preuve, les entretiens et réparations seront effectués sur place et sans frais durant toute la période d'essai, ce qui permettra la réalisation des économies non négligeables. Par la cérémonie de ce jour, toute la politique publique en matière d'achat de bus vient d'être revue et corrigée. Voilà pourquoi, depuis notre prise de fonction à la tête du ministère des Transports, Voies de communication et de désenclavement, nous nous inspirons de ces modèles
en exigeant des divers partenaires qui frappent à notre porte pour proposer des bus d'installer plutôt des usines de montage au Congo avec en filigrane tous les effets induits. Aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est un jour d'action et non pas de parole. Et l'action consiste pour votre très haute autorité à doter le pays de cette usine qui redonne à la commune de Limété qui nous accueille son caractère industriel si mémorable. Avec l'expression de mes hommages les plus réitérés, je vous remercie. Très respectueusement, nous invitons Son Excellence Monsieur le Président de la République à procéder à l'inauguration de la première usine de montage des véhicules Mercedes-Benz. Dans cette étape, le chef de l'État sera accompagné de l'honorable président de l'Assemblée nationale et du Sénat, président du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, président du Conseil économique et social, les ministres membres du gouvernement, le directeur de cabinet de Kinshasa, le secrétaire général de l'UDPS et les responsables de la société. Les autres invités sont priés de rester à la tribune tout en suivant les consignes du protocole. Je vous remercie. Voilà donc le moment M, le président de la République qui s'élève. Il prend quelques informations auprès de personnalités directement impliquées aux premières lignes, le ministre des Transports, Communications et Désenclavement, le ministre de l'Industrie, le responsable de l'usine Suprême Automobile, en tout cas, c'est Suprême Automobile qui produit les véhicules Mercedes Bus 48+1, siège en tout cas, la capacité. Mais aussi les bus 37+1 en République démocratique du Congo. Vous avez suivi les avantages induits du transporteur national, l'entreprise Transco, qui va épargner les moyens d'entretien de ces véhicules qui seront bien entretenus dès lors qu'ils vont venir de cette usine de Limété. Les ingénieurs qui seront chargés d'entretenir les véhicules de Transco vont venir d'ici et ça ne va pas occasionner des frais supplémentaires qui impacteraient le bilan de l'entreprise. Voilà donc les différents avantages évoqués par le ministre de l'Industrie, le ministre de Transport et Voies de Communication qui font de cette usine, en tout cas une grande première. On a donné tous les détails, le président de la République est tout heureux, il va pouvoir couper le ruban symbolique pour donner ainsi, voilà donc les feux. C'est sur des feux d'artifice hein, que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va pouvoir procéder à l'inauguration de la toute première usine de montage des véhicules Mercedes ici à Kinshasa. Nous sommes sur la 12e rue. C'est dans la concession de Suprême Automobile, cette entreprise qui a donc pris ces risques historiques en tout cas de pouvoir ramener de véhicules haut de gamme ici même en République démocratique du Congo. Tout à l'heure, cher Edi Tchala, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, pardon, a dit que notre économie souffre beaucoup de frais d'importation. Effectivement, avec cette usine qui vient d'être inaugurée, il y a beaucoup de procédures en fait qui ne devraient plus, qui se présentaient en fait comme obstacles, qui n'existeront plus. Nous avons dit désormais, vous quittez chez vous, vous n'avez qu'à venir ici à Limité, passer votre commande et attendre la date de livraison. Il y aura un guichet unique sur place pour payer tout ce qu'il faut à l'État congolais et sortir d'ici avec votre véhicule Pampa neuf. Donc il y a beaucoup d'effets d'entraînement dans ce qui s'est fait ici. Donc le président de la République va procéder maintenant à cette visite guidée. Et il sera guidé justement par le jeune manager qu'on a vu tout à l'heure, le chef du département de production, Jérémy Aguito,
C'est lui qui donnera des explications. Pour l'instant, le président de la République va donc couper les rubans symboliques pour marquer le début de travaux de montage des véhicules Mercedes en République démocratique du Congo, et ce qui fera de cette date une date historique dans l'industrie congolaise, dans l'économie congolaise, de voir que le pays peut désormais produire in situ de bus haut de gamme pour le transport en commun. Voilà, donc Giscard Koussema, c'est un grand moment pour l'histoire, comme le ministre de l'Industrie l'a rappelé. Un investissement si important qui voit plusieurs Congolais trouver un emploi décent. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est tout heureux de voir ce 10 juin 2023 une de ses grandes visions commencer à prendre corps, l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Oui. Commence certainement par un pas, mais n'oubliez pas qu'il y a plusieurs autres entreprises. Merci pour votre discours. Merci. Ça va, vous êtes le CEO. Non, je suis manager de manager de production. Oui. Voilà, donc c'est vous qui dirigez la production. Donc ça veut dire que vous connaissez tout ici. Vous pouvez tout répondre à toutes nos questions. Oui, oui, oui. Donc en fait, ici, on est à l'usine d'assemblage. Oui. Ok. Pardon ? L'entrepôt de quoi là ? L'entrepôt, oui, oui. À l'entrepôt, ici, c'est là où nous stockons nos outils. Donc, okay. On a deux entrepôts, un ici et un en dessus. Okay. Et nous sommes certifiés ISO. Je tiens à rappeler. Oui, oui. ISO 2000. Oui, 2015. Et voilà. Maintenant, je vais vous expliquer comment la production se passe. Elle est divisée en 7 départements, subdivisés par stage de 16. Okay. Il y a 16 stages au total. Alors, on peut avancer, okay. Monsieur le Président, je vous explique. C'est grand. Oui, c'est vraiment grand. Et là, c'est notre premier département. L'assemblage de structure. Ouais. C'est comme ça qu'on reçoit le châssis. Ça veut dire ça, des oui, voilà. C'est comme ça, c'est le châssis. Le premier stage, c'est ce qu'on appelle châssis induction. Et on fait tout avec le standard of procedure. Alors, expliquez-moi, le châssis, il vient comme ça. Le châssis, il vient comme ça. De l'étranger. Oui, de l'étranger. Donc, il arrive comme ça. Oui. Donc, ensuite. Et ensuite, avant qu'on passe au deuxième stage, ce qui consiste au side flow structure. On protège d'abord toutes les parties qui sont sensibles à être inflammables. Okay, hein, okay. Comme vous pouvez le constater. C'est ça. On couvre les pneus, on couvre le moteur, on couvre le volant. Ça, et tout ça ce fait qui va ici. Ici même. Mm-hmm. Et normal, on enlève aussi les batteries qu'on conserve à notre dépôt. Okay. Ensuite, on passe au deuxième stage. Mm-hmm. Et ce stage ici consiste à la pose de floor structure, subdivisée en trois parties. La pose de la structure. Voilà. Oui, c'est. Non, ça vient en pièces détachées. Et nous, on assemble le tout ici. Comme vous pouvez le constater, ça, c'est le flow structure qui a été fermé avec des clamps subdivisés avec les balates à Pékin, comme on appelle. C'est quoi? Balates à Pékin. C'est ce qui est. Mais je crois que plus tard, ça se fera ici. Oui, voilà, ça se fera ici. Oui. Ça, c'est quelle matière? Ça, c'est du fer. C'est du métal. Hein? Voilà. Donc, de l'autre, on investit. Plus tard, à la longue, je crois que ensuite, eux-mêmes, d'ailleurs, pour alléger leur coût, ils vont se ravitailler. Ensuite de ça passe au troisième stage, qui consiste à élever les côtés. Les côtés, le haut structure et le fond structure. Et comme vous pouvez et là, le moteur est déjà dessus. Le moteur est déjà dessus, monsieur le président. Comme vous le constatez, il y a une différence entre là et là. Vous pouvez constater qu'il y a les côtés, il y a les côtés et il y a ce qu'on appelle le plywood. C'est la composante qui va d'abord être mise au-dessus avant qu'on en mette l'aluminium qui va faire la composante complète du floor structure. Okay. Comme vous pouvez le constater. Mm-hmm. Le tout toujours sur la standard of procedure. Comme vous pouvez le constater devant là, c'est comment nous faisons. Ça, c'est les standards de procédure que nous faisons. Ah, okay. Ça explique comment ça se fait. Ouais. C'est ça. Vous pouvez voir les points de contrôle qu'on fait avant. Ensuite de ça, la procédure de travail que nos techniciens congolais qui vont poursuivre jusqu'à la finalité de ce stage. Après ça, c'est le stage, c'est le département des panneaux extérieurs. Ok, oui, c'est vrai que là... C'est encore vide, il n'y a pas de panneaux. Oui, voilà. C'est ça, c'est la partie où nous faisons, on inclut tous les panneaux qui vont faire la composante extérieure de la coque complète. Voilà. Et aussi, on met le front structure. Comme vous pouvez le constater, vous allez voir...
du vent. Et ça, apparemment, c'est toujours là. Oui, c'est ce qui va composer. Ça reste jusqu'au bout et c'est là où on va mettre l'aluminium plate qui va faire le truc complet de... Et comme vous pouvez le constater, ça c'est... Ah là, donc à cette étape, on rajoute donc la construction. C'est ce qu'on appelle FRP. Fentré en force aide plastique. C'est du plastique. FRP en France, pas plastique, mais c'est un nom technique qu'on utilise. Et là, ensuite, nous passons normalement ici, mais comme on attend encore les panneaux qui doivent arriver, c'est là où aussi nous faisons en même temps les panneaux intérieurs qui vont faire toute la composante intérieure, ça prend de forme. La forme. Ainsi de suite. Tout se fait ici. Il y avait le travail, les gens sécurité, on a les personnes. Je voulais vous montrer live. Pour les gens qui sont en train de travailler, pour la sécurité. Et comme vous pouvez constater aussi, la sécurité, elle est parfois exigeante. Je voulais vous montrer là, les gens, comment ils travaillaient dessus. Et ici, nous sommes à l'assemblage intérieur. Ce qui se passe ici, c'est là où on fait tout ce qui est composante intérieure. Tableau de bord, les sièges, les portes électriques qu'on va installer. Ouais. Et comme vous pouvez le constater là-bas, ça c'est les structures déjà qu'on a en stock ici pour pouvoir faire nos prochains bus. Comme vous pouvez le constater, on est prêt à le constater. Et là, comme vous pouvez constater, c'est là aussi arrive où on pose la structure arrière. Et après ça, là, on rajoute la structure arrière. On a déjà mis tout. Mais ça commence. Normalement, il fallait les panneaux pour vraiment montrer que c'est fait au complet. Et après ça, ici, on arrive au stage de la pré-peinture. Ici, ce qui se passe, c'est quoi? On applique le primer coat, ce qui va protéger le châssis contre toute sous forme de corrosion ou toute chose qui peut. Ici. Ah, oui, c'est sur le stage. Et là, ça fait où? Ici, là. Oui, on fait ça ici. Donc ça veut dire qu'il y a des machines normalement d'habitude. Oui, on a des machines, on a deux compresseurs de 50 et 30 chevaux. Les machines pour mettre la peinture là. Oui, les câbles sont là. Vous pouvez voir les câbles sont là pour installer. C'est déjà tout est déjà monté sur l'extérieur. Ah, je reste. Ah, vous restez Non, je ne sais pas, c'est le protocole. C'est le protocole que vous avez. Non, je laisse les excellences entrer et puis je vais suivre. Mais qui explique maintenant au-dessus? Je vais entrer par derrière. C'est pas honte ici, c'est toi qui peux expliquer. Allez venir, vous entrez juste derrière là, c'est vite. Je monte. Monte, c'est lui qui... Oui, je peux juste passer vite. Allez-y, allez-y. Ok. Il faut... Voilà. Oui. Passer. Ça passe pas. Ça fonctionne pas apparemment. Pardon. Je pense que je vais mettre ici, monsieur. Oui, bien sûr. Oui. Merci. Ok. Voilà, donc mesdames et messieurs, vous suivez en direct le président de la République dans ce bus fabriqué en République démocratique du Congo, assemblé ou monté si vous voulez. Mais en tout cas, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est en train de voir se concrétiser sa vision, en tout cas par les investisseurs qui ont voulu matérialiser ou écouter son appel de pied pour qu'il vienne s'investir en République démocratique du Congo. Voilà, le bus qui s'affiche à l'écran maintenant est un produit sorti de l'usine Transco de Limité. Et lorsque si notre caméraman peut... Usine Mercedes. C'est l'usine Mercedes-Benz. Ça, c'est l'une des deux gammes. C'est
Le grand format, c'est le genre de bus Transco, effectivement. D'ailleurs, tout à l'heure, le ministre a précisé qu'il s'agit de la suite de la commande de la République démocratique du Congo. Donc, une suite qui se fera ici, sur place. Alors, ce bus qui est devant nous est venu comme toutes les pièces qu'on voit en arrière. Hein, juste des châssis qui portent des pneus et les moteurs. Tout le reste monté ici. Ces pièces détachées, on les voit également à l'écran. Ces caisses qui sont là contiennent des pièces détachées. En arrière-fond, on voit des ventures de véhicules, on voit également des sièges. Bref, un vrai montage qui s'est fait ici avec un produit fini. Alors si ces premiers bus portent justement la marque Transco, c'est parce qu'il s'agit d'une commande de Transco. Mais pour le reste des bus, ce sont des bus commerciaux ouverts à tout le monde. Donc un Congolais peut concurrencer Transco en ayant le même type de bus, en choisissant la couleur qu'il veut bien et ses marques pour passer sa commande ici, même à l'imiter. Donc le président de la République est en train de recevoir des explications techniques de la part du manager de production, ces jeunes ingénieurs, Jérémy Aguito, responsable de ces ateliers, de cette usine, qui a suivi une formation certifiée et qui s'occupe de la qualité de ce label. Alors là, on voit cette chaîne, une partie de la chaîne. À droite, c'est des carrosseries et à gauche, on a vu comment on commence déjà. Donc ces bus va marcher et le voilà, ces bus qui fait le tour. C'est un bus qui sort de l'usine de l'IMETE. Transco, le président de la République et plusieurs autres responsables sont là pour ces premiers tours d'honneur. On voit les pièces détachées qui constituent la carrosserie. Tout ceci est monté ici même à Kinshasa, l'IMETE industriel où nous nous trouvons dans la concession suprême automobile. Ces gens d'image, voilà la marque République démocratique Congo se trouve là, le label Made in DRC. C'est un bus qui offre le même confort, la même robustesse, la même qualité que ceux qui sont fabriqués en Allemagne, au Brésil ou encore en Égypte. Il faut donc le souligner, ce sont des bus qui sont fabriqués ici à l'IMETE et le président de la République fait le tour parce que l'atelier, les grands, cet atelier, cette chaîne de montage qui passe par différents maillons. Et on a vu ça et là, quelques pièces qui sont entreposées et qui rentrent dans ces processus de montage des véhicules. Et puis en arrière-plan, des entrepôts de pièces de rechange. Donc le président se trouve au sein même de l'atelier, il fait le tour. Ça lui permet de voir toutes les composantes du véhicule qui viennent d'usine. Il n'y a pas de pièces fabriqué en République démocratique du Congo, il faut bien le souligner. Et voilà le bus qui est déjà sorti de l'enclos. Et c'est comme cela que tous les autres bus sortiront. Donc chaque mois, 25 bus de ce genre sortiront de cette usine entièrement montée. D'ailleurs, nous avons compté les nombres de châssis qui, motorisés qui sont déjà ici. C'est une trentaine. D'autres sont dans des entrepôts qui sont ailleurs. Voilà donc, c'est parti pour cette usine de fabrication ou de montage des bus Mercedes en République démocratique du Congo sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci Giscard Kossema, le président de la République a donc fait le tour. Il est sorti de l'atelier dans ce bus. Il a lui-même apprécié la robustesse et le confort dans le bus. Ce sont des bus qui sont utilisés par les Congolais qui sont à Kinshasa, mais qui sont partout parce que Transco a commencé à envoyer ses bus à travers l'ensemble du pays dans différentes provinces. Il y a celles des provinces qui bénéficient déjà de la présence de Transco dans leur territoire. Rachel Keta. Transco de la Wetu et de Tchala, Balom le Congo, Fumoji de Congo, Mgalata, Félix Antoine, Tseke Tchulombo. Il y a un monde, moi, Busso, à Transco, beaucoup de monde, il y a un budget, je suis là, 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 je suis là,
bikale bien moi bia tu viens de lander les tout toi transco bia kunyanguka le mena boisé ba dimo corona bien le blonso le seka le compagnie va suprême automobile moko mon moko chintu le bien moi le fle bien bia bia na kuluta tu le kulomba bien moi bika bifumina ku seka le ajito ngadi Brésil le mena ku jeka mon mo chimanga chakin tsa ba le boisé compagnie ou monena wa suprême automobile ye yakayenda uji bien moi bia mushindu mushindu wa kushintu le Luigi lwa tujendelande la toa Mercedes Benz na Transco no kutube chebi chuluko abo fuma tu kada kongo mwa lata Felix Antoine Tseke Chilombo muko se yakayenda kakabaka di banjija compagnie ou monena ou dume kala ni bien moi bishishilane tangla ibisa sa bia jeza ja bishe nuku ya Transco ngile mina munda mwa compagnie ou nuku monena na kutube tu sanka jabuni pokumono boise lungi nyi lwa fuma tu kada kongo mwa lata Felix Antoine Tseke Chilombo lujule nuku kumba jibwa kakeska kesa dijenga dienda dijenda se bana baji kwa kongo mwa lata babu makuni unuka ne kuyo kumijumu ya buka po ibaku dingila ka kuyo luta tu la jipanka tu jendela ndela ka kuyo luta tu la ambuteyaji mojila ka kuyo luta tu la se tu jendela ndela kuyo ndo koko na kwa u kompanye u mune na mulo kwa sa matanda mwendo mwa jitu kwa kongo wabete wankambwa bila nishela masko mashi shilangane tangila ye binji jimbi fumwa jitu nga ujumika ni mwa mwa kumesu mwa kukulu wa kuyuka usanga mwa mwa se katataka luta tu la jipanka tu jendela ndela lomba na kujika mwendo mwa jitu kwa kongo wabete wankambwa ni mwa mwa kumesu fumwa jitu kwa kongo wa mwa lata Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ujibinja nilutu lo wakumanya mwa se katataka bana baji tonga baji mwa kunyunguka ni kuyiku mijumu ya abu kakwe baku jingila bolu kwa se kompanya unu kwe u mune na mulo kwa sa mune mwa jitonga ya kongo wa betu bankambwa na kuwa mbisa mile mile jini ya bambifika kumbaku mi anayi ni mwanda mkunu munda ni bisa mkwa biyanisha jijila jini ya bambifika kumbaku mi asatu ni isambo mbo munda na nuka yinibadi mwene na kwa se mfumo wa jitonga kwa mwene bambo bame na babakana kwa jitonga mbika na babuwe la munda mwa kujendela ndele yetu tuwa kaja biya kane biyosu mwene mwana jini kwa se mile na mwene mwene D'accord, donc tout le monde n'est pas encore Non, parce que les formations qui prennent, on a besoin des agistes, on a besoin des charpentiers, on a besoin des compagnies, on a compagnie suprême automobile, on a besoin des bâtiments, on a besoin des lâches, on a bien mobilisé, on a besoin de tout le cas, 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 on a besoin chaku tangila kajendela ndela keba bangabanga ni kushintula ni kufila lijibu kwa abu na kubia msuwebe nukweu mbumu wajisanka bwa bonso kwa mtuwa chakini chasa ni mwende uka kushikila mtuwa chakini chasa nasha ni kala ni bwa kuya kabiji munda mwa province semishu shilangane batu jakile bwa se province ni province yonso ni kala ni luende luiji batu jendela ndela na kubu na mataji kene mwaka luta tuto bwa lubwa se ujumu wa kusomba nasha tu jendela tifu mwa kubia abiji tu jendela tifu kulukama mwachimanga chakinta sa na shabwa bimenga biku wabu fumajitu kata kongwa mwalata Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wumikala nijisanka ni mwomo kumesu walubwa se mwanda wa jipepe jampinje u ujini mwaka jabanto mwachimanga chakinta sa mwoma na kumweka kompanyi u mwine mena wa supreme automobile mwasa mwachimanga chakinta sa na kwa uu, bibi lumi putaka na biyaka ne, mwumu sesu wa juku ni mwibiji, mwabu uji kompanye unu kumika la mwaza miji, mwa kwa mbulu ishaba na bajitu nga jakungwa mwa lata. Zinga ni afu mwajitu nga jinja se, bengi bajibika la balokuwa sama tanda munda mwajitu nga jakungwa, bikana ni jinanga jajitu nga, ni bakwata mujumu, mujuvu wangana, ni mapa nga jika ni meni mikandu, jajitu nga jakungwa mwa lata. Kepa shisha, juvu wangana, jimono makubwela, paka chipabukale nga mwajitu nga, ni ababonsu, bajibika la bajitu kwa sama tanda, munda mwa jitu nga jakungwa mwa lata, uvi njata. Sekdi la Rachel wetu bapange luzulu bitkeka nkata kubala kulandakana na 15 ya bubu ya kisika mfumu ya insi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mekatuko kupesa nzila ya kubanda bisalu na kati ya company supreme automobile yeye banda usala bisalu awa na kati ya mbanza Kinshasa yeni mosi mekatuko kupesa nzila na nima na kati ya kutambula na kumonisa beto mutindu bisalu kikusa salama befona zabati transko mikusa salama awa na mbanza Kinshasa yo kusaka ndamu kasuba mikusa bongisa bayo awa wapi mfumo yensi mekatuko kumonisa mikusa sunika ti yumi salama awa na insi na beto tupi Made in RDC, yeye kikusasa zaba na penza, bisalu ya mbote,
une compagnie ango bitemona Supreme Automobile yuki banda ko sala matoma penza ya mutindu ya Mercedes awa na isi na beton fumu ya isi fix santa sketch lombo me katuka kutambula na kumonisa pe kulandisa na kuzaba mutindu biselo kelanga ta salama musi ya te sala kabisalu na kulandisa mutindu ki salama ya marketing katuka kutendula na fumu ya isi Félix Antoine Siki Chilombo, Moutindou, Bake Kusasala Yao, Bege Nakata Kumona, Yawina, Mba Pies Tobi, Mba Bitini, Bitini, Yadi Toma, Yame Kusakendula, Nayandi, Moutindou Kusasalama, Betuke Nakata Kumona Bifikula, Kintua Dina Beno Tibeto, Mambu Nyosi Kusasalama Awa, Yuki Katuka Nainsi Yamamputu, Ndambu Ndambu, Mpe Awa, Bake Kusabongi Sayao, Peyo Tambula. Donc ici là un tête informé ici mais quand on recoute la carte de Thomas et Transco, na kuzabu satin, yomu kusasalama awa, pe Transco qui est un tête mais banda coupé ça ma commande, bosse plutôt mal un peu tout, na kuzabu satin ben sali la bête. Quand si, nous que les compagnies y ambula matari, que Transco, donc ici là un tête compagnie, nous ici n'abattons mais kusapé sansi la benzana banda tête kusalam, pe bantu nyonso y a ici y a zola. Kusalam kustwari sa matoma tope kusuma matoma na mutindu ya merci automobile na 12e rue industrielle kisika bagena kata kusala bampange luzolo beke muna kata bifikula ya uina bis Transco yoke penza kitobitike muna befu mwensi mekatoa penza kukota na kati bome tendula tendula na yani mutindu biselu nyosiki na kata kulutila beto landila nekintuwa di nabeno awa Muke bokila mpangi ya kaka na kusa tendula. Kasi mifutu na tenzinga na eje chala. Nini mtule ilusila mpama vetu meba na ukuma na mwansuka. Jusqu'à Kosema, ce sont des jeunes gens qui ont trouvé de l'emploi. Et là, vous avez ce matériel neuf. En tout cas, vous achetez un véhicule ici. Vous êtes sûr de l'avoir matricule 00. C'est pas courant à Kinshasa. Parce que même les véhicules qui viennent... achetés à l'usine ont le temps de quitter l'usine d'aller jusqu'au port donc il y a toujours c'est toujours difficile d'avoir à Kinshasa un véhicule matricule 00 bien avant l'installation de cette usine et dans le document de bord de ce véhicule qu'on vient de voir ça portera comme lieu de fabrication Kinshasa fabriqué à Kinshasa et l'année et les mois de fabrication ce sera donc au mois de juin 2022. Donc voilà comment arrive, hein, 2023, merci beaucoup, voilà comment arrivent ces différentes composantes du véhicule qui arrivent. Nous rappelons ici, Kinshasa ne fabrique pas de moteur. Le moteur Mercedes est un label allemand de la maison mère. Donc la maison Mercedes produit tout ce qu'il y a comme châssis, pneumatique et les moteurs. Voilà comment on vient de le voir à travers les images. Mais toutes les autres composantes sont fabriquées ici et viennent en pièces détachées. On l'a vu tout à l'heure. La peinture également, il est vrai que le président de la République n'a pas fait le tour de tout l'atelier. Hein. Voilà comment arrivent les véhicules, la pneumatique, le châssis et puis les moteurs, même pas des sièges pour les chauffeurs. Donc même les sièges sont montés ici à Kinshasa. Mais déjà à cet état, il peut rouler parce que le moteur est bien attaché, il est en marche. Mais ils ne roulent même pas, ça vient dans des conteneurs et ils descendent ici. Donc ces moteurs-là sont véritablement 0,0 km. Donc le dernier test, lorsqu'il est sorti de l'usine Mercedes, et le deuxième test, lorsqu'il arrive ici, pour voir s'il marche, c'est ce qui s'est fait. Maintenant, il y a toute une procédure lorsque ces châssis entrent dans les processus. On a vu tout à l'heure qu'il y a des parties qui sont... bâché, ok, mais lorsqu'on a parlé avec les équipes, la vision du président de la République, celle de responsable, c'est d'avoir dans un proche avenir les autres composantes fabriquées localement. Imaginez à l'époque où il y avait Cobra c'était des pneus fabriqués ici même à Limité en République démocratique du Congo. Donc on pouvait faire signer un contrat entre cette maison est celle qui est Cobra, par exemple, si Cobra existait ici. Donc aujourd'hui, les pneus viennent d'ailleurs, mais peut-être dans un proche avenir, un autre entrepreneur peut venir produire de pneumatiques ici. La salle de peinture, on a vu, hein, c'est la première fois pour moi de voir. Là, ce sont des sièges. Hein. Voilà comment viennent des sièges
démontée et tout l'embellissement intérieur s'est fait ici localement. Il faut tout de même du génie. Lorsqu'on vous dit que tel pays produit des véhicules, cela se passe de la même manière que nous. Voilà, qu'est-ce qui se fait ici? Donc pour ceux qui aiment la polémique, il n'y a pas lieu de polémiquer. C'est comme cela que cela se fait partout. Aucun pays vous dira il va fabriquer le moteur tel. Non, les moteurs viennent d'ailleurs et le montage s'est fait ici en République démocratique du Congo. Alors imaginez-vous les autres marques de véhicules prisées par les Congolais. Si cela se fait de la même manière, ce que ça peut donner à l'économie congolaise. Là, par exemple, c'est des ruya chaud, c'est comme ça que ça s'appelle en anglais, mais en fait, c'est la façade. Okay, ce qui porte la pare-brise, c'est cela, la pare-brise arrière ou devant. Ça vient de cette manière-là. Après le montage, il y a une salle de peinture. C'est là où on met la peinture. Pour l'instant, ce sont les couleurs de Transco. Mais pour le véhicule commercial, ils choisiront des couleurs. Ils vont multiplier les couleurs selon la charte, selon le design de Mercedes-Benz. Voilà comment vient le siège du chauffeur. Ça vient de l'usine, ça vient comme ça. Et après, tout le reste est monté ici, localement, Edith Chala. Merci Giscard Koussema. Dans un proche avenir, en tout cas, il faut rêver de ce pays-là pour aller à Boma dans un bus, en tout cas bus Mercedes-Benz fabriqué à Kinshasa en République démocratique du Congo. Vous vous y asseyez avec tout le confort qui va avec jusqu'à Boma Matadi. Je crois que beaucoup d'autres investisseurs, beaucoup d'autres opérateurs économiques qui veulent bien se lancer dans le domaine du transport en commun et pourrait bien donc venir voir ce qui se passe ici à Limété et passer commande au besoin. Je crois que les sociétés de transport Likasi, Lubumbashi, Kolwezi peuvent bien être intéressées à venir ici en République, venir ici à Kinshasa bien entendu, pour s'informer sur la possibilité de se doter de ces bus Mercedes, mais beaucoup... d'autres aussi peuvent lancer des entreprises de transport Kinshasa, Chikapa par exemple, dans un confort appréciable comme ça s'est fait dans d'autres pays du monde ou d'Afrique, ou des transports Chikapa Kananga quand la route sera effectivement terminée, la route dont on dit que les travaux sont très avancés, ou de Mbujimayi à Kananga. Donc vous comprenez que le pays est donc imaginez le développement et bien penser que ce qui s'est fait peut se marier et donner à la République démocratique du Congo dans un proche avenir l'épanouissement dont a besoin le peuple de la RDC. Lili Bosekota. Edith Chala, Olovia Solo, Baimbo Kabaze Kozelase, Makambuma Tambula Malamu, Tombwama, Mbongwama, Mambi, Ndenge, Mbongwana, Masalema, Obiteni Biso, Yakula Biso, Adekobandi Tuzeko Pusala Malembe, Ponakosuki Samulu, Mwalelo, Mokambia Kulu, Kataki, Elamba, Kati Singa, Ponakope Sanzila, la compagnie, Kurabo Banda, Mosala Moyango, Compagnie Suprême Automobile, aux amis 12e rue, Limité Industrielle, aux communes Limitées, et Kwamoko. Banda Mosala Moyango, Nasima Kukata, Elamba, Mukambia Kolo, Atamboli, Bitan, Bibipai, Nabipai, Kutala, Ndako Wapepai, Bisaleli, Bizeko Sa Mituka, Nibomba Me, Azwindi Mbola, Ndenge na Ndenge, Yabato Babazeko Kamba, Misala Awa, Pe Mukambia Kolo, Amikuma, Aiba Kikumatana Motuka, Moe Transco, Moe Mosiko Salima Awa, Amatina Yango, Batamboli, Moa Moke, Ngola Nipingali, Ayepo, Nako Tala, Soko, Makambo Maso, Mazali Malamu, Ebo Yeba Monite, Manso, Mazali Malamu, Wana, Motuka Transco, Monen, Penizena Mokumba, Makokima Kokumba, Batomotango, Matuku, Neina Motoba, Mosusu, Yamwa Moke, Bakosala, Kokumba, Batomotango, Matuku, Mesato, Na Mwambe, Bakosuka Kaka, Wana, Bakosala, Transco, Susu, Nenge, Ndimbola, to Sekboko Zwa, Na Bay Compagnie Suprême Automobile, Bakosala, Transco, Susu, Bakotia Mali, Nakati, Yamokoza, Ningi Penza, Ponakokenda, Ote, Yabituka, Bia République Démocratique, Yako,
bongo monulu male malembe mo libongo moko malasuka na yango zambi mokambia ekolo azali na eloko koba kotala bisika bisusu kasi soko suprême automobile compagnie eponi na eloko ti a Mercedes marque a Mercedes ezali na mituka awa interpe démocratique ya Congo baponi yango pote Mercedes ezali marque ya makasi. Les animaux tout caillé, coumé la capelle, comme ça, comme bon, pour la mambi, matali, beaucoup, mais bateau, tout transport en commun, et bongi, na, l'oulengue, à marque, à makasi, à motuka, makasi, y a Mercedes, poté, et quoi, bon, coumé là. Kwa kuumela, bayi kompanye ye, batali na ino yambo, bako wabu kukela kompanye ye, awa ingumba Kinshasa, batali boni, bayi mbo kawaze kubika awa nini, nulenge kani ya mituka, bango ba mataka, batali transko, isibo kusala mituka miya yango awa, bakani kusala mituka, miya nulenge ya 207, bakani kusala tukutuku ya pine isato, tukutuku ya pine ibali, maasomana, mazali, makambu maye, mituka miye, nizai kukumba batu, awa interpe démocratique ya Congo kasi Mercedes ewana ezali na boko bato ba ibakila yango ba sala yango ezako mobuko to ko kama liboatu ki ba ina itano bato basa to bana ba kila Mercedes compagnie Mercedes ezali bongo Daimler moto ya baba ezali Motoren pe moto ya basa to ezali bongo Gesler bango basa to ndi ba kila compagnie ya Mercedes lokumu lo pesa mine lo pona République démocratique ya Congo pona ngumba Kinshasa na kubandisa ma ya compagnie ya suprême automobile na kanza na kuna suka na zongsi maloba na Edith Chala. Merci, amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise. Vous avez donc suivi depuis le début, dans les moindres détails, la cérémonie d'inauguration de cette usine de montage ou de fabrication de véhicules Mercedes ici en République démocratique du Congo. Vous nous avez suivis de partout, comme Aimé Mutombo, qui nous suit, lui, depuis Lubumbashi. Il nous fait savoir qu'il est en train de suivre dans les moindres détails tout ce qui se passe ici à Kinshasa, précisément à l'imité 12e rue, où le président de la République s'est déplacé pour inaugurer cette grande usine. On se souvient qu'il y a eu près de 32 ans qui se sont écoulés pour qu'on voit une usine de cette ampleur en République démocratique du Congo, les véhicules flambant neufs, des véhicules matricules 00 qui sortent de ces lieux pour diverses utilisations ici en République démocratique du Congo. Mais l'usine est en train de fabriquer d'abord les arriérés de Transco qui avaient passé une commande pour un certain nombre de bus. Certains sont venus de l'Égypte, d'autres venus du Brésil, mais en tout cas, le dernier lot sera fabriqué à Kinshasa dans le confort que le président de la République lui-même a vécu en entrant dans ces bus faits à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous avons commencé, comme je vous le disais, avec Giscard Koussema, qui était de l'autre côté, dans les ateliers, pour recueillir les informations utiles pour vous permettre de comprendre, en fait, l'ensemble du processus ici et pour la production du bus. En tout cas, le premier fait en République démocratique du Congo a été vu en direct par les téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, Giscard Koussema. Et le président de la République, accompagné de hautes personnalités ainsi que du staff local, a fait le tour d'honneur justement à bord de ce tout premier bus fabriqué in situ en République démocratique du Congo. C'est donc une fierté pour notre pays de pouvoir renouer avec l'industrialisation automobile. Toutes les autorités qui ont défilé ici devant la tribune ont bien fait de rappeler que cela faisait plusieurs décennies, en tout cas 32 ans passés, lorsque la toute dernière usine, qui était General Motors, a fermé. Les autres ont progressivement baissé de rythme. Ils sont passés des fabricants en vendeurs, en concessionnaires. Et puis ils ont plié bagage, disparu totalement. Iveco, Inzal et les autres n'existent plus que de nom. Et aujourd'hui, ce Mercedes-Benz qui fait son retour en République démocratique du Congo. Et il nous a été donné de voir et même de constater que ces véhicules sont robustes et adaptés au réseau routier congolais. Donc, qu'il s'agisse de boîtes de vitesse ou de la puissance du moteur, de la pneumatique, bref, tout est fait pour que ces bus soient adaptés.
Mais il nous a également été donné d'entendre que la maison peut fabriquer d'autres gammes de luxe. Ce sera sur demande, en tout cas, du client. Si un client se présente, donne des spécifications, comme cela se fait partout ailleurs, on peut y ajouter des sièges, par exemple, luxueux, très confortables pour les bus qui feront le transport interprovinces. Par exemple, la climatisation et les autres accessoires. Et donc, cette maison est en mesure de le faire ici en République démocratique du Congo. Et peut-être que c'est un débouché pour les pays limitrophes, le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine et tous les autres pays qui nous entourent qui peuvent commander de ces véhicules Mercedes à partir de la République démocratique du Congo. Donc la RDC entre désormais dans le cercle fermé de pays qui ont une licence certifiée pour fabriquer des bus Mercedes-Benz. Avant ici, tout le monde s'est rué vers l'Égypte ou encore au Brésil. Et aujourd'hui, la RDC entre dans ces carrés. Le travail qui reste, c'est de pouvoir garder la qualité, hein, que ce design vive longtemps. Tant que l'on gardera la qualité, cette usine va prospérer. Merci beaucoup Giscard Koussema. Il ne nous reste plus justement qu'à dire merci à nos téléspectateurs qui ont suivi. Je crois que la certification de la qualité Mercedes Maison Mère veillera en tout cas pour que cette qualité ne branche pas. Cela va de son image de marque. Amis téléspectateurs de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, vous avez suivi en Chiluba Rachel Keta, en Lingala Lili Bosekota, Wivin Djata en Kikongo et Sylvie Meta en Swahili. Il nous reste donc à vous dire merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale de la République démocratique du Congo. Nous avons été coordonnés par Maxime Androkwa, bien entendu, lui qui a réalisé cette retransmission en direct, bien entendu, avec l'accompagnement de tous les autres. Hein. Merci et bonne suite de programme sur la RTNC.